Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 33ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 3. 3, 2, c'est parce que je suis en train de tourner Sport saison 3 en ce moment. Donc la dernière fois on avait fait un petit tournoi et ça s'était très bien passé, même s'ils avaient failli m'avoir plusieurs fois en me disant si on te filait qu'un seul arc contre des mecs à cheval, ça pourrait être cool, non? Non? C'est une mauvaise idée? Ok. Voilà, donc bon, ça s'est plutôt quand même bien passé. Allez, on refait des troupes. Là, ce qu'il faudrait, c'est que... Ah oui, non, mais il n'y a plus de guerre, en fait. Je suis bête. Mais il faut quand même qu'on se prépare un peu. Parce que j'ai fait des grosses conneries la dernière fois. On a combien? Ni. Hop. 76 sur 80. Je rappelle l'objectif qui consiste à avoir... une centaine d'hommes. Remettre l'autorité du maréchal à Comte Talbar. D'accord, Comte Talbar. Peut-être qu'un jour je serai maréchal. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Boum, 81, ça y est, on va peut-être retourner du côté de Pagundur pour voir où ça en est. Et je vais peut-être prendre une quête à Jelkala au passage. Allez, on va prendre une quête à Jelkala. Iiii, j'ai promené dans les rues. Faudrait que je passe à la taverne aussi, voir si c'est pas des trucs. Un armurier, c'est pas toi que je cherche. Le maître de guilde est ici. Avez-vous un travail? Escorter une caravane qui va jusqu'à Praven. Oui, si tu veux, hein. Surtout que là, vu qu'on est beaucoup, je vais assez lentement. Ce qui est plutôt pratique. Ah, c'est parti. Tu fais du combien le machin? Tu fais du 2,8, je fais du 2,7. Ouais, bon, bah, c'est bon. Ah, l'entraînement, c'est toujours très bien l'entraînement. Direction Pagundur. Ah, zut, j'aurais dû. D'abord, je vais regarder ce qu'il y a à la taverne. Tiens, ça se battait? S'il n'y a pas un héros, parce que je rappelle qu'il me faut 5 héros et que j'en ai perdu au fur et à mesure. Un épée sous contrat. Non, il n'y a personne. Il y a des bandits des montagnes. Oui, 185 contre 7. Je pense que ça va être très drôle. Un avantage de combat de 45. C'est un poil abusé, oui. On est à 42 contre 7. Là, il faudrait qu'ils aient le cheat. J'aime pas tourner du côté gauche. Je préfère largement le côté droit. Voilà. Et le dernier qui va se faire défoncer. J'ai subi 2 points de dégâts quoi. Et boum! Je suis trop un warrior. Bon, tu vas me dire contre 7 bandits, ça va. Trois deniers. Wouhou. Aha, encore des bandits de montagne. 247 contre 25. Allez. On l'a fait encore plus abusé. 19 et 23, ça fait 42. Ouais, bon, bah, c'est pareil à peu près. C'est à peu près pareil. Toujours aussi abusé. Des sacrés coups des stocks. Coucou. T'as les mecs quoi. Je leur roule dessus. Ouais bon, sauf là. Là où un petit caillou m'a arrêté. Hartenheimer a été assommé. Oh. Assommez pas trop mon...
Mon ingénieur, j'en ai besoin si je dois faire un siège. Mais les mecs, quoi. Vous avez aucune chance. T'es qui, toi? T'es contre-rèche? Par contre, mon cheval, il a quand même vachement plus cher. Mais oh! Sors de sous mon cheval. Et boum! Toc! En plus, on peut capturer... Peinard! C'est rien du tout, mais on s'en fiche. Allez, dis restons pas à Gondor. Pas trop vite non plus. Euh, 36 jours pour la tour de guet. Ok. Peut-être que je regarde mon autre village un jour. Allez, direction Praven. On fait attention. Ce roi du Ravagnar, émir chevalier 2.2 du Radium d'Honneur, fait l'objet d'une inculpation pour trahison. Hartenheimer a atteint le niveau 8. Ah ah! Que peux-tu me dire au sujet de tes compétences? Évidemment, je peux pas monter plus ingénierie. Compétences de groupe. Il me faut des compétences de groupe. Non, c'est des compétences de commandement. Les compétences de groupe. Ça, c'est bien comme compétence de groupe. Ça augmente la vitesse. Toc. Bon. Des déserteurs. Je commence à avoir une armée un peu trop importante. Une nouvelle campagne militaire. D'accord, il faudrait que j'aille voir contre Talbar. Mais on n'est pas en guerre pourtant, je crois. On est en guerre? Voilà. 930 points d'expérience. Donc, alors, notre contre Talbar. Il était près de Sheza. Allez, Sheza, c'est tout là-bas. Donc il doit être par là. Oh merde. Château de Dramug. Mais est-ce qu'on n'est pas en guerre contre le Kharigit Khanat et je l'ai pas vu? Eh, les retours de Pagondor et de Tatsamesh, ils sont assez beaux. Alors, relation de la faction. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Faction. One of Swede a été vaincu, ouais. Une trêve qui expire dans 36 jours. N'a pas de problème particulier. Bah alors on est en guerre avec qui? Alors attendez. Ah bah ils sont là. Talbar. Quoi? Voilà, c'est bon, c'est revenu. Suivre l'armée de Comte Talbar. Ok. On fait quoi? On attend? Parce qu'il y a genre un paquet de monde. Je sais pas ce qu'il va faire, mais on y va. Toc. Où va-t-il?
dirige vers les alentours de Praven. D'accord. Toc, j'accélère un peu le temps de temps en temps. Il y avait plus court comme chemin pour aller à Praven quand même. En patrouille, peut-être Château de Kulmar. Mais attends, t'es pas au bon endroit toi, mec. Château de Kulmar. Attendez, Château de Kulmar, c'est où? Hein? Le mec, je crois qu'il s'est trompé de faction. Il est pas du tout au bon endroit, ce type. Quoi? Quête accomplie, suivre le... Et qu'est-ce que tu fous? C'est-à-dire, c'était juste ça qu'il fallait faire? Je vais lui demander, mais c'est bizarre. Hartenheimer qui monte de niveau. Ok. Ça tombe bien, on va augmenter les tactiques. Compétences de groupe. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Uscal. L'URL n'est actuellement pas en campagne. Tac, on augmente tout le monde. Bon bah du coup, moi je vais retourner à Uscal aussi et puis faire des quêtes, hein. Et promener dans les rues. Uscal. Maître de guilde. Un groupe de bandits a enlevé la fille d'un de mes amis. Toc. La rançon d'une fille aux bandits. Alors elle est où? Près de Mawiti. Où qu'est-ce? Je suppose que c'est à... Ah oui, c'est à, Perpète les joints, ouais. 94 deniers, bah dis donc, c'est pas très rentable, Pagundur, tout ça. Bon, allez, on y va, Mawiti. Oh la vache. Heureusement qu'on a une grosse armée. Parce que c'est pas la porte à côté. On fait gaffe. Mawiti. Ils sont là. La fille. J'ai vraiment envie de leur taper dessus, quoi. C'est des bandits, est-ce qu'on pourrait le faire? On est 80, on pourrait le faire. Allez, à charger. Oh la vache! C'est tout plat. C'est quoi cette map super plate? Ah merde! Ah oui, je pensais pas qu'ils allaient être équipés de chevaux. Bon, ils ont pas l'air super équipés en niveau armure, tout ça, mais... Ils ont quand même des chevaux. Tu sais que j'ai touché les deux Gugus quand même. Boum. Je sais. J'ai une idée.
que à la limite ils sont pas très forts. Ce qui me suffit de faire, c'est que là je vais faire des tours et je vais leur dire de charger. Donc moi je les occupe. Quoi? Non. Voilà. Je les occupe mais sans me faire défoncer non plus. Ah là là. Mais arrêtez de parer. Je suis bloqué. Voilà, ça va. Pousse-toi le cheval. Ah oui, il y a du monde encore. Ok, ça passe. Voilà, ça passe. Ah. Encore heureux, j'ai vraiment une super arme parce que... Mecs qui ont plein d'arcs. Oh, ça passe en fait. Ça gère plutôt bien. Reviens là. On a un mort. C'est acceptable. Plus ça permet de monter de niveau. Mes unités. Toc, des lanciers vétérans. On est bien, on est très très bien. On pourra vendre toute cette merdaille. $160 deniers. Par contre. Voilà. La fille kidnappée a rejoint mon groupe. Faut retourner à Excal. Hashtag YOLO. C'est pas la porte à côté. Alors, donc... Le groupe n'a rien à manger. Comment ça, on a déjà tout bouffé? Attends, on va faire un détour par Maxis. C'est tout? Ah merde. Une grosse ville. Alors, donc déjà on va vendre tout ce qui nous sert pas. Ensuite, c'est vrai que d'habitude je me sers de des pillages pour subvenir à mes besoins. Mais il semblerait qu'il faille que j'achète de la nourriture. Pour acheter de la nourriture. Le pain, c'est toujours très bien le pain. Toc, 179, j'en profiter pour vendre des huiles. Toc, allez, direction Uscal. Du coup, ils ont repris le château d'Almera, j'avais pas fait gaffe. Mais je m'étais démené pour rien, donc. Bon, pas grave, maintenant on sait comment le prendre correctement. Ok. Ces bois sont truffés de bandits, ok. Des soldats sont prêts à être promus. Uscal. Tiens, une paix avec Royaume des Vaigir et Cargué de Kanat. La fille kidnappée a quitté le groupe. Ok. Bah moi je vais prévenir le maître de guilde. Boum, 360 deniers. Tout est bon.
Voilà, donc ça fait 20 minutes en plus, c'est nickel. Je vais juste visiter la taverne, regarder les up level un peu de tout le monde. Mattel, c'est un héros ça? Ah, un rançonneur. Il y a un héros, c'est cool ça. Ouais, d'accord. Deniers. Ok. D'ailleurs, faut que je passe ici, récupérer un peu de pain. C'est bien le pain, ça se conserve bien. Voilà, j'en prends plein. Je devrais payer un max de thunes, mais c'est pas très grave. Alors, un petit coup d'œil sur le groupe. Toc, l'ancien vétéran, sergent Rodoc. Arbalétrier, vétéran, tirailleur, je suis un peu de tout. Alors, compétences. Très fort et très intelligent. On va mettre un peu d'agilité parce que sinon ça craint un peu. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Chirurgie. Soin des blessures, c'est toujours bien. Et ben voilà. Alors toi d'ailleurs on va monter. T'es un héros, hop. Quelles sont tes compétences? De base, tu es forte en athlétisme, équitation, donc en fait il te faudrait un... Vitesse de course, ok, d'accord. Juste le rapport hebdomadaire. Je suis plus 145. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah tout se passe bien. Il faut encore qu'on monte de niveau, tout simplement, pour remplir les différents objectifs. Mais pour l'instant, tout se passe bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà. Et moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!